Et bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures sur Forspoken. On va faire l'épisode 2. On se retrouve avec Frey. Juste avant, on a affronté un dragon. Et là, on devait gravir la falaise. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui nous attend en haut de la falaise? Monde de magie. On s'est retrouvé à New York. Je suis Oula, on est on n'a sauvés. pas les bons habits. Non, on n'a pas les bons habits, ma chérie. Non, ça va pas le faire. Quelle erreur, mais quelle erreur. Mais elle est blonde ou quoi, elle? Elle est trop blonde. Sérieux? Avance, monstre! C'est qui que tu traites de monstre? Le monstre parle! Ouais, évidemment que je parle et pointe pas ton truc sur moi, du con! Avance! C'est Oh, elle est bon! vulgaire. J'avance! Elle est vulgaire, bordel. On est où, là? Dans la ville de Sipal. Pourquoi il parle ma langue? J'ai constaté qu'il existait des similitudes entre les langues de différentes dimensions. Ok. Tant que j'ai une réponse, ça me va. Silence! Avance, démon! Démon, oh, je ne et suis voilà. pas un démon. Retour au tribunal. Retour au tribunal, comme au début du jeu, exactement. Oh les nuages, ah c'est super Laissez-moi moche. partir! Oh les nuages derrière, comment ils sont trop mal faits. Pourtant c'est pas le truc le plus dur à faire dans un jeu. Salle du conseil, attention. Silence. L'heure du jugement a sonné. Silence. Qui es-tu, petite? Et vous alors? Fais preuve d'humilité et réponds à leurs questions. Ça va, je gère, arrête de jouer les petits chefs. Tu ne sembles pas comprendre la gravité de la situation. Des embrouilles, j'en ai connu bien d'autres, et des pires, tu vois. Alors ferme ta grande bouche dorée et laisse-moi discuter. Regardez. Elle parle à des êtres invisibles. Elle s'est accoquinée avec des démons. Quoi? Non, et c'est quoi ça, à coquiner? Je souhaite entendre la réponse à la question de la conseillère Bellette, petite. Je m'appelle Frey Holland. Je ne sais pas comment je suis arrivée ici. Je suis épuisée, affamée, et tout ce que je veux, c'est rentrer chez moi. Ces vêtements sont étranges. D'où vient-elle donc? D'un autre monde. Vous voyez? Elle vient du monde infernal, sinon elle n'aurait pas survécu à la corruption. Petite. Comment as-tu réussi à sortir de la corruption de Junun indemne? Je ne dirais pas vraiment indemne. C'est simplement parce qu'elle et la corruption ne font qu'un, mes amis. Nous devons l'exécuter immédiatement. Mais quoi? Non, c'est du délire. Je sais même pas ce que je fais ici. Je vous en prie, écoutez-moi. Elle pourrait nous aider. Qui souhaite s'adresser au conseil? Pardonnez-moi, je suis Odenkin. Je suis Hodenkin. Le seul tort de cette femme est d'avoir survécu sur les terres corrompues. Elle a beaucoup à nous apprendre. Elle ne connaît de nous que nos armes. Montrons-lui que nous savons aussi être bienveillants. Le diable acceptera votre clémence et plantera ses crocs pour répandre le venin de sa corruption dans vos veines. Débarrassons-nous de cette étrangère au plus vite. Conseillère Bellette, je vous en prie. Odenkin, comme le conseiller Djenech, ont fait valoir de solides arguments. Le conseil est divisé. C'est pourquoi il n'y aura pas de sang versé aujourd'hui. Mais... sois prévenue, petite. Si tu deviens une menace, nous devrons t'éliminer. Conduisez-la à la tour de Binoy. S'il vous plaît, conseillère Bellette, c'est une cruelle sentence. La tour de la Binoy. La séance est close. Elle n'a causé aucun tort. Ah, mais la tour de Binoy, c'est quoi la tour de Binoy? Je pense que c'est une prison. Je vous en prie. Hein? Quoi? Pas question d'être encore enfermée. Non, lâchez-moi, lâchez-moi. Ne me touche pas, connard. Oh, non. Fais dodo, ouais. Ah, c'est vraiment une petite rebelle. Hein. La petite Frey, c'est vraiment une petite rebelle. Voyage de Frey dans le terrier du lapin. Debout. Ah. Bon, on a toujours la chemise. Debout, allez, lève. Écoute, je suis prisonnière d'un cauchemar à des millions de bornes de chez moi. Alors, laisse-moi crever en paix. Si tu meurs, ils se débarrasseront de moi comme d'une vulgaire babiole. Je m'en fous de ça. Juste, laisse-moi tranquille. Tu sais quoi? C'est pas ma faute tout ça, c'est ta putain de oh, faute. Et dis-moi, en quoi c'est ma faute?
Tu peux fermer ta gueule? Bien. Oh, comment elle parle, ouais. Très bien, ça me va, je n'ai rien. Eh, hey, je vais mettre la vidéo sur YouTube, les gars, ça va être le bordel, ouais. Bon, ce sera pas des vidéos monétisées, hein, tant pis. C'est bon? Alors, comment on sort de prison, là? Si tu la fermes pas tout de suite. Voyage de frais. L'évasion. Tu vois? Alors, est-ce qu'on peut ouvrir la porte? Allez, tape. Tape à la porte. Bien sûr, c'est fermé. Évidemment que c'est fermé. Ah, fallait juste attendre. Fallait juste attendre pour déclencher une autre cinématique. Ce malheureux sot t'aurait-il contrarié? Non, lui non. Mais toi oui. À cause de toi, je peux pas rentrer à... New York. New York. C'est vraiment si dur que ça à retenir? Oh, à peu près autant que bras droit. Si je me souviens bien, tu n'étais pas vraiment au mieux de ta forme quand je t'ai rencontré. Je comprends mal pourquoi tu tiens autant à retourner là-bas. Tu sais quoi? Je vais utiliser la magie pour nous faire sortir. Je te déconseille d'utiliser tes compétences devant eux. Pourquoi? Ils croient déjà que je suis à coquiner avec les démons. Soit, mais ils te pendraient pour hérésie. Comme à Salem, c'est ça? Suis-je censé comprendre ce que tu dis? Écoute, on a déjà essayé ta méthode, là on va faire comme je dis. C'est moi qui ai fait ça? Vite, enfile ça. Qui est là? Ah, on vient nous sauver. Je viens te libérer. Passe ça et fais ce que je te dis. Notre première tenue de jeu, attention. Après la chemise à carreaux de Clark Kent. Ok, c'est fait. Toi, tu es celle qui m'a défendue au procès. Pourquoi? J'ai rien dit. C'est une cagoule. Pourquoi tu fais ça? Parce que je te crois. Mais il faut se hâter. Comment t'as fait pour passer les gardes? J'ai préparé un gâteau avec de la potion de sommeil. Faut pas se fier aux apparences. Allons-y avant qu'il se réveille. Attends! Où est-ce qu'on va? Et c'est quoi l'idée? L'idée? Elle t'a défendu au procès, et pour l'instant, tu n'as pas vraiment d'autre choix. Pas faux. En tout cas, où qu'on aille, il me faut à bouffer. Voilà qui était inespéré. Tu trouves aussi? Tu as dit quelque chose? Quoi? Non, rien. Vas-y, après toi. Chapitre 3, l'étrangère. T'es sûr? Allez, que je c'est te une bonne suis. Tu vas pas avoir des problèmes pour ça? Ne t'en fais pas pour moi. Et puis, je ne pouvais pas rester les bras croisés devant une telle injustice. Ah, les gardes y font dodo. C'était qui ces gens qui dirigeaient le procès? Le conseil de Sipal? Ce sont les dirigeants de la ville. Ils règlent nos différends. Ils sont donc à la fois juges et jurés, hein? Pratique? Oula, c'est quoi cette tour, ouais? T'as l'architecte, il est pas ouf, hein? L'architecte, il est pas fou. Comme tu le vois, notre terre souffre. Tout ce que cette corruption touche... se brise. Ouais. J'ai vu ça de près. C'est vraiment la merde là-bas. C'est répugnant. Eh oui. Atia est vraiment perdue. Elle est venue d'où, toute cette putain de brume? Je te raconterai tout, mais nous devons avancer. Qu'est-ce que tu faisais au procès, d'ailleurs? Ah non, c'est bon. Personne n'est venu de l'extérieur de la ville depuis des années. Tous les habitants veulent savoir qui tu es. C'est ça, la rançon de la gloire. Après ce que tu appelles la putain de brume... Brume tout court, c'est bien.
Après l'apparition de la brume, les gens ont fui leur village. Sipal est le dernier rempart. Sérieux ? Ok. Je vous conseille d'éviter les artères principales. Vous vous ferez moins repérer. Tu sais, on devrait éviter les artères principales. On se fera moins repérer. Tu as raison. Alors on va où ? On va où ? Non mais c'est pas le genre de jeu où t'as envie de faire de l'infiltration, oh, quoi. Sympa. Amuser. Ça, c'est de la baraque. C'est ici qu'habite la noblesse. Ah, ok, comme l'Upper East Side. En réalité, nous sommes au nord de la ville. Déployez-vous ! Elle ne doit pas être ah, loin ! Ah, ça y est, les gardes se réveillent. Je crois qu'ils ont remarqué ta disparition. Restez dans l'ombre et continuez à avancer. Reste dans l'ombre. Bonne idée. Pourquoi tu n'es pas comme elle ? Toutes mes idées lui plaisent. Allez, on continue. Bon, j'ai hâte que le jeu y démarre quand même, parce que là, pour l'instant, c'est calme. Après, ils attendent pas rien. C'est bon, on peut y aller ? Allez, c'est bon. Allez, go. Go, Ranger. Allez, faut partir de là. Accroche-pied. Ouais. Tu ne crains plus rien. Merci. On approche de chez moi. Viens, j'ai à manger. C'était un peu léger comme remerciement. Les gens qui rendent service ont toujours une idée derrière la tête. Je suis méfiante de nature. Même avec moi. Sérieux, on est ensemble parce qu'on n'a pas le choix. Allez, cours, là. Je peux pas me débarrasser de toi, c'est tout. Là, t'as la pris 20 mètres d'avance, là. Elle a risqué sa vie pour te faire sortir. T'as raison. Et en plus, elle m'a promis à manger. Tu n'es pas curieuse de savoir ce qu'elle veut. Moi, ça m'intrigue. Ouais, c'est vrai. Pourquoi elle nous aide, ouais. Pour l'instant, on la connaît même pas, la gonzesse, ouais. Elle, nous, ce qu'on veut, c'est manger, très bien. On peut parler librement ici. Je suis Oden Kin. Oden Kin ? Fille de Robian et Calista Kin. Moi, c'est Frey Holland. Fille de... J'en sais foutre rien. Je ne sais pas quoi te répondre. T'inquiète pas. Aucune importance, je m'en suis remise. Menteuse. Mon père était un éminent connaissant. Un connaisseur ? Un connaissant. Ouais, enfin, un connaisseur, connaissant, c'est kiff-kiff. Kiff-kiff, bourricot, ouais. Tu es tellement étrange, Frey. Les connaissants sont les érudits les plus respectés d'Atia. Ma mère était générale. Ouf, c'est lourd à porter, tout ça. Attends, était ? Je suis seule depuis ma plus tendre enfance. Je sais ce que ça fait. Je n'ai pas de parents. Des familles m'ont accueilli, mais jamais très longtemps. Donc tu dois penser comme moi ? Qu'on s'est bien fait enfler ? Qu'on doit aider les autres ? C'est bien ce que je disais. C'est ici chez moi. Tu vis dans un bar ? Au-dessus. Aux chaînes, toujours vert. C'est de plus en plus. Alors, t'as à manger ?
Tiens, un morceau de pain. Une pomme, tu génial. Tu l'avais sur toi depuis le début. Il fallait que tu me suives. Frey, Hollande, fille de j'en sais foutre rien. Juste Frey, ça suffira et bien joué. Bon, merci de m'avoir tiré de là et pour la pomme, mais c'est là qu'on se sépare. Ne pars pas. Accorde-moi ton aide pour sauver mon pays. Ah, l'intrigue est résolue. Ah ben voilà. Ne compte pas sur moi. Mais le cercle de lumière, le bruit d'ouragan. C'est ainsi que tu es arrivé, hein? Tu veux rentrer chez toi, non? Je peux peut-être t'aider. T'as la pomme, elle est énorme. Est-ce que t'as une bière? J'ai jamais vu une pomme aussi énorme, je crois. C'est une pomme bionique, ouais. La pomme, elle est immense, ouais. Sympa. On dirait un genre de bar à thème. Hé ! Désolée, je t'avais pas vu. Rends-le-moi. Donne. Tiens, mon portable. Deuxième règle du vol à la tire, jamais rendre ce que tu voles. C'est quoi la première ? Pas se faire choper. C'est quoi ce truc ? Quelque chose qui serait que dalle ici. Bah alors. Et comment elle parle aux gamins ? Comment elle parle aux gens, c'est un truc de fou, ouais. La fille de la rue, la fille des banlieues. Allez, va-t'en. Une petite douche, ça ferait pas de mal, je crois. Une petite douche, là, un petit relooking. Une pinte de ta meilleure bière, mon brave. T'as pas d'argent. Elle a pas d'argent, comment elle fait? Elle va payer avec ses fesses ou quoi, ouais? Oh, elle tabasse. Vous rigolez pas par ici. Allez, je t'écoute, et fais vite, s'il te plaît. Mon père se consacrait intensément à l'étude d'un phénomène appelé Torana. Torana ? Le tunnel de lumière que tu as traversé. Ces travaux devraient répondre à tes questions. Je pourrais te les donner, et... On y arrive. En échange, je veux que tu retrouves ces notes sur la brume. Elles sont... Dans la brume, hein ? On dirait qu'elle n'a aucun effet sur toi. C'est ce qu'on dit. Beaucoup se sont aventurés hors de la cité, mais ils ne vont pas loin avant... Avant quoi? Tu es notre seul espoir. Tu es spécial. Ok, clairement, tu me connais pas. Je veux des preuves. Suis-moi et tu en auras. Et merci. J'ai pas dit oui. Allez, on va l'aider la tchotte. On va l'aider la tchotte parce que de toute façon, on a rien d'autre à faire, on sait pas quoi faire. Et en plus, elle donne des pommes. Suivez Hoden. Est-ce que tu la crois? J'imagine que tout est possible. Et ça te laisse au moins un espoir. Je ne veux pas avoir à retourner dans cet enfer. Allez, tout ira bien. Je serai avec toi, non? Ça me rassure pas. Alors, on suit la fille toujours et encore. Ou la famille? Ou la famille? Elle est là, la famille. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est eux, là? Tes parents? Oui. Ça a été peint quand on était à l'une des guildes des connaissants. Père était un des connaissants de Junoon. Il a transporté tous ses travaux à Prenost avant que la brume engloutisse la guilde de Junoon. Donc ses recherches sont à Prenost? Oui. Il m'a emmené ici pour me protéger de la brume. Mais il est très vite reparti pour mener à bien ses travaux. C'était il y a 20 ans. Je n'ai plus revu. Et la brume a fini par tout engloutir à l'extérieur de la ville. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore un bouquin à lire. Tu pourrais me parler de lui? C'était un homme brillant, aimé de tous. Il était sur le point de trouver un moyen de ralentir la brume, peut-être même de la repousser. Les gens avaient placé leur foi en lui. Ils pensaient que tout redeviendrait comme avant. Je fais de mon mieux pour poursuivre son œuvre et garder espoir. Tiens. Ce sont ses notes sur les Torana.
Ouais, c'est bien ce truc-là. Tu les auras après m'avoir aidé. Donnant, donnant. Je vois. Il gardait ses notes dans des carnets rouges comme celui-là. Je veux que tu les trouves et que tu les rapportes. Ok, donc je vais chercher les carnets, je te les file et on est quitte. C'est tout ce que je dois faire, c'est bien ça? Je ferai tout mon possible pour t'aider à rentrer chez toi. Tu as ma parole. Si tu mens, tu vas en enfer. Tu veux que j'aille en enfer? Non, non, c'est ce qu'on dit sur Terre. Bon, laisse tomber. Je vais faire comme si tu n'avais rien dit. Bon. Ok, j'accepte. De toute façon, c'est pas comme si j'avais d'autres solutions. Oh, je suis heureuse. Tu es la bienfaitrice du peuple d'Atia. Je fais pas ça pour ça, mais si tu veux... Si tu comptes t'enfoncer dans la brume, tu devrais bien te reposer. Je pars demain matin. Où est-ce que je peux pioncer? Pioncer? Pioncer. Dormir. Oh, évidemment. Suis-moi. Tu peux alors, qu'est-ce qu'on doit faire ici? Se reposer. Et je vais te préparer des vêtements de rechange. Ah, des vêtements de rechange, c'est ce que, exactement ce que j'ai besoin. Donc ça, c'est des potions. Parfait. Décoction de soins. Et ici, on va pouvoir se reposer. Allez, c'est parti. Putain de journée. Je sais toujours pas si tout ça est vrai. Ouais, j'avoue. C'est le cas. Dors maintenant. Une grosse journée t'attend demain. Une grosse journée demain. Voyage de frais, évasion, terminé. Parfait, ça. Ah, là, c'est pas mal, là. Ah, par contre, les baskets, ils sont pas ouf. Elle aurait pu changer les baskets. Elle est contente. Elle est contente, en plus. Alors, l'équipement. Les différents éléments qui composent l'équipement permettent d'améliorer les compétences, caractéristiques et aptitudes de Frey une fois équipé. Pour en changer, rendez-vous dans la section équipement du menu principal. Consultez avec attention les effets des pièces d'équipement que vous trouvez. Il pourrait bien faire la différence. Parfait ça. Parfait. La cape à capuche. Une cape à capuche. On ne me l'avait jamais faite celle-là. Une cape avec une capuche. On appelle ça la cape à capuche. Cette cape est portée par les citoyens de Sipal au quotidien. Elle n'apporte aucun bénéfice particulier, mais elle est épaisse et résistante. Et résistante, ok? C'est nul à chier. Ouais. Alors, te comment voilà tu me trouves? Mis à part tes chaussures. Elles m'ont tiré de pas mal d'emmerdes. Je garde mes pompes. C'est comme ça. Ok, elle kiffe ses pompes. Si tu le dis. Tu auras aussi besoin de ça. C'est une carte d'Atia, cela t'aidera pour ton voyage. Ici, j'ai indiqué la guilde des connaissants. Parfait. Ça y est, on va arriver dans le monde ouvert. Voyage de Frey. Les recherches de son père. Je suis ton père. Eh oui, ma petite, je suis ton père. C'est moi ton père. Alors... Ah, 2 sur 16, ça y est, je peux avoir la liste de sorts. Ah non, on peut pas. Vidéo cinématique. La Sipal, la ville de Sipal. Ok. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas un bruit. La musique, enfin si, il y a un peu de musique, mais elle n'est pas assez prononcée. Ça manque un peu d'émotion dans le jeu, tu vois. Il manque un peu de... un effet de grandeur, en fait. Des bonnes musiques qui... avec des belles images et tout, il ça. Il n'emporte pas une pomme? Une pomme pas. Par jour? Et Frey n'aura plus faim en retour. Quel poète. Toi, t'as piqué une pomme comme ça, ouais. Ah ouais, ça y est. Ça y est, on est des voleurs. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Sipal, dernier bastion de l'humanité dans un monde dévasté par la brume. Ok. Sipal. Lorsque vous serez à Sipal, vous pourrez démêler différentes intrigues secondaires impliquant des citoyens. Vous reconnaîtrez ces personnages grâce aux repères qui les surplombent. Alors, on va faire quelques quêtes secondaires. Comment faire pour aller à cette guilde des connaissants? Si la carte de la fille du peuple est correcte, il nous faut quitter la ville par la porte sud. Ok, alors c'est parti. Ça me fait plaisir de retrouver des chats. Ah, c'était un chat, j'ai pas compris ce qu'il y avait, ok. Tu nourris un lien particulier avec ces petites bêtes ridicules. Ça y est, on arrive aux portes. Non. Arrive aux portes. Tu manques, Homer. Homer.
son petit chômeur qu'elle a donné au juge. Oh, merde. Bon, bah on n'est pas allé loin. Et comment je fais, moi, pour sortir de ce trou à rats ? Moi, je sais. C'est toi. Tu m'as suivi, gamine ? Non, mais je sais comment t'aider. Ah oui. Je connais tout dans le coin. Mm-hmm. Et ça va me coûter quoi ? Une pomme, peut-être ? Donc, tu me suivais. Tiens. Tiens, une pomme. T'as l'air affamée. Olivia Liette. Viens avec moi. Alors, où est-ce qu'elle m'emmène, la petite ? Elle va me séquestrer, la petite. Je le sens, elle va me séquestrer, elle va me faire des trucs de fou. Alors, 10 mètres, suivez la fillette. Alors, on va pas où ? Pas vraiment. Olivia, et toi, Fred ? Tout le monde parle que de toi. Apparemment, je suis célèbre dans le coin. Célèbre ? Ça veut dire recherché par les gardes ? Putain, on fait 10 mètres pour une cinématique. Là, c'est ma caverne au trésor. Dis donc, c'est toi qui as volé tout ça ? Non, pas tout. Tu me plais, petite. Souvent, les gens jettent des choses qui peuvent encore servir. Alors je fabrique d'autres trucs avec ce bazar. Tiens, si tu te blesses, ça te soignera. Génial, bien vu. Faudra que tu me donnes ta recette. Bien sûr. Je te montre comment faire. Essaye. Alors, Rossidée officinale. Ok, donc on va apprendre un petit peu les petites potions là. Comment ça fonctionne ce truc ? Olivia vous a remis de la rosière officinale utilisable pour préparer une décoction sur l'établi. La fabrication. Vous pouvez faire évoluer et associer des multiples ressources, blablabla. Allez, utiliser. Fabrication, amélioration. On va fabriquer. Fabrication. On peut faire du soin, très bien. Parfait. Les gens jettent vraiment plein de trucs, hein. Oui, plein de choses inutiles. Attends, ça pourrait me servir. Ok, nous on ramasse, on fait les poubelles, génial. Tac, tac, tac. Pourquoi pas ? Ah, on peut améliorer la cape à l'établi. Ah bah tiens, on va regarder. Allez, c'est parti, amélioration de la cape. Amélioration. Je choisis la cape. Sélectionner l'élément à améliorer. Donc là, j'ai de la roche sableuse et je peux améliorer la santé. Bon, c'est pas ouf, mais on l'améliore. De toute façon, on n'a pas le choix. Ok. Différents matériaux de fabrication sont disponibles dans le monde. Collectez-en suffisamment pour fabriquer de nouveaux objets et améliorer votre équipement. Parfait. Hey, j'ai quelque chose pour toi. C'est ce truc qui te sert à que dalle ? Non, pas mon téléphone. Et merci de pas me l'avoir tiré à nouveau. Je vole pas mes amis. Tes amis ? Cool. Alors, en tant qu'ami, j'ai ça pour toi. Waouh ! C'est quoi ? T'es une tanta ? C'est une lampe stylo. Et non, je ne suis pas une tanta, pas du tout. Mais c'est qui celle-là, d'ailleurs ? C'était les femmes les plus fortes et les plus puissantes. J'ai la petite qui chouine, les gars. Je dois y aller. Toutes avaient des dons. Et avant, elles s'en servaient pour protéger les terres. Un jour, elles recommenceront. Elles viendront nous sauver. Écoute, petite. Croisant mon expérience, il vaut mieux se débrouiller toute seule. Il n'y a que dans les contes qu'on sauve les gens, tu vois. Tu as tort. Tu verras. Ok. Bon, je dois y aller. Tu m'as dit que tu savais comment sortir d'ici.
Oui. En escaladant ce mur, là. Tu devrais pouvoir aller où tu veux. Cool. Merci. Je te dis à la prochaine. Je protégerai la ville en t'attendant. Ok. Je compte sur toi. Elle me fait un câlin. Elle m'a volé un truc. Je suis sûr qu'elle m'a volé un truc encore. Alors... C'est bon, on peut y aller ? Quitter Cipal, oui, on s'en va. On s'en va. Ça manque de bruitage dans le jeu. Ça manque énormément de bruitage. Alors, les lieux indiqués sur la carte d'Oden ont été ajoutés à la carte du monde. La guilde Xenos. Ok. Ta méfiance naturelle ne s'applique pas à cette petite colonne, où je me trompe. Parce que j'étais c'est comme parti, on est dans le okay. monde. Alors arrête tout de suite. Putain, c'est quoi ces trucs? C'est des personnes? Je pense que c'est ce qui arrive quand la brume affecte les humains. Ok, des sortes de morts-vivants. Alors je peux pas les tuer? Tu as vraiment le choix. C'est soit eux, soit nous. Eh ben ce sera eux. Ok, c'est pour ça qu'Oden disait que les gens qui quittent la ville ne vont jamais très loin. C'est pas ce que je voulais faire. Cela explique pourquoi les habitants de Cipal restent à l'intérieur des remparts. Ah, pas aussi près! Ah voilà! Allez, ça mitraille, ça mitraille, ça mitraille! On tire, c'est un jeu de shoot. Je jure, c'est un jeu de shoot. C'est une blague? Essaie de prendre ton temps. Classement ou combat, c'est quoi? Vos actions seront évaluées. Ok, ça marche. Ok, il y a des classements par combat. On gagne des notes et ça donne plus ou moins d'expérience. Qu'est-ce que c'est que cette fontaine de jouvence? Les sources bienfaisantes on raconte que ces lieux sacrés seraient capables d'éveiller les aptitudes magiques en sommeil. Ok. Ah, on peut apprendre des nouveaux sorts avec ça. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre de beau? Qu'est-ce qu'on va apprendre de beau là-dedans? Wow. Tu sens ça? Sauter. Je saute dedans. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Incroyable. Ouh, comme un petit bébé. On est en position fœtale bébé, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on débloque? Nouveau sort appris. Qu'est-ce qu'on apprend comme sort? Bondir. Ah, c'est juste pour sauter. Alors, prenez, appuyez sur un mur, allez plus haut, visez sur un mur, appuyez sur un rond pendant un saut. Ok. Bon, c'est juste un sort pour un mouvement. C'est quoi là? Fontaine au mur. Je sais pas. Je me sens plus puissante peut-être. Mmh. Ah, ok, on peut sauter plus haut comme ça, c'est parfait. Alors, les haltes de pèlerins. Disséminées dans tout Atia, les haltes de pèlerins sont des sanctuaires où vous pourrez vous reposer afin de restaurer votre santé et fabriquer des objets, ok? Très bien. Allez, hop, on va aller se reposer. Ah, ça fait plaisir d'être dans le monde ouvert quand même là, ça fait super plaisir. Elle est là la porte, elle est là. Le déplacement rapide, ok, ça va pouvoir faire créer un déplacement rapide, tant mieux. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut accueillie par une vision. Par une vision? Extraordinaire. Désolé, je t'ai coupé mon gars. Voici des tantata, les pèlerins, halte des pèlerins, c'est bon, c'est ce que c'est, on a compris. Enfin, putain d'endroit où s'allonger. Bon, je pense pas pouvoir faire grand chose au niveau de l'atelier, on va allez, regarder. Je m'y mets. Non, là je peux rien faire.
Augmentation de la capacité de sacoche. Il me faut quoi? Des pépites. Donnez-moi des pépites. Sacoche de matériaux, ok. Et amélioration. J'ai que la cape et je peux rien faire. Ah si, je peux augmenter la santé. Ouais, bon, ça sert à améliorer cette cape-là. On améliorera les capes par la suite. Là, au début du jeu, ça, on devrait pouvoir s'en sortir. Alors, on va se faire un petit repos tranquillement. Je suis crevée. Attends, elle vient de dormir, elle se réveille, elle est déjà crevée, quoi. Ah ouais, c'est abusé, ça. Allez, on se bouge. Oui, le chemin est encore long. Oh, casseur d'ambiance. Désormais, évitons si possible les gentils animaux. Pigé. Et désormais... Site intéressant et récompense. Dans certains endroits précis du monde, vous pouvez gagner des récompenses développées encore davantage. Ok, ok, très bien. Mais évitons si possible d'être lourd et agaçant, ok? Je suis rarement agaçant et lourd. C'est toi qui le dis. Génial! Ça va faire mal. C'est trop chiant, je vais prendre le multijeu parce que là, honnêtement, je préfère mitrailler. Je pense qu'on devrait reculer un peu. Je suis bien d'accord. Je suis à fond. Faut pas se relâcher. Alors, magie plus 1, les pouvoirs magiques de Frey ont augmenté. Ok, donc c'est bien. Ok, très bien. Donc il y a des zones comme ça où on attaque les ennemis, on libère la zone et on améliore nos capacités. Donc c'est plutôt assez intéressant, surtout quand tu joues en difficile. Là, c'est pas le cas. Oh, dégueu. Monument de la force, regardez de plus près le monument. Augmentation de statistiques. Allez, on va aller voir ça tout de suite. 200 mètres. Ah, franchement, le jeu a été très critiqué. Bon, c'est vrai qu'il est pas super beau graphiquement pour un jeu de 2023, mais les déplacements et tout, même s'ils sont pas super bien gérés, enfin, je les trouve quand même cool. Je trouve ça quand même cool. Et moi, je me demande parfois comment j'arrive à faire un aussi bon. Ce n'était pas un combat très exigeant. Oh, tu voudrais que je rende les choses plus intéressantes? Ah! Alors, c'est quoi les monuments? Les monuments sont des pierres sacrées dans lesquelles les Tanta ont emmagasiné certains de leurs pouvoirs, les débarrasser de la corruption qui les affecte permettra à Frey de devenir plus forte. Ok, elle tire dedans. Ça serait donc mal. Oui. La brume me semble avoir été attirée ici. Mais tu peux la dissiper avec tes pouvoirs. Voilà. Allez, plus de pouvoir. Regardez au plus près du bâtiment. C'est parti. Alors, on va augmenter la force. Moi, top power. Défense plus 5. Ok, finalement, c'est la défense qu'on améliore. Parfait. Alors s'améliorer parce que là on fait pas assez de dégâts. Ah, je pouvais l'achever par terre. On va tester sur un prochain. Ah ouais, on peut les achever par terre. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je valide, moi. Bon, le monde est un peu vide. Il y a des petites zones comme ça à explorer avec des bâtiments. Très bien, on va pas les manquer dans ces cas-là. Pile où il fallait. Ah,
ont même pas eu le temps de dire ouf. Ils ont même pas eu le temps de dire ouf, ouais, c'est chaud quand même. C'est pas évident, début du jeu. Bien comprendre le gameplay. On a pas beaucoup de techniques différentes en plus au début. Alors ça, je ramasse. Il y a rien en haut. Alors, je suis pas incroyable ? Ah, t'es magnifique, ma chérie, t'es magnifique. Oh, un petit coffre. On ramasse. Des roches. Laisse-moi en juger. Alors, on a quoi ici ? C'est quoi là-bas ? C'est quoi ce truc ? C'est vraiment surprenant. Ouais. Surprenant, mais qu'est-ce qu'on doit y faire ? Qu'est-ce qu'on doit y faire là-dedans ? Je peux le sentir. Aventurons-nous à l'intérieur et voyons ce que c'est. Explore la zone. Labyrinthe scellé est. Ouh, ça donne envie, mais en même temps, ça donne pas trop envie. On reviendra. Là, j'ai pas beaucoup de techniques différentes. J'ai envie de débloquer d'autres petites choses quand même. Allez, on va regarder les capacités, si je peux améliorer un petit quelque chose. Je suis à 41, je pense qu'il y a un petit quelque chose à faire. Alors, magie. Magie. Alors, multi-G, ok. Ouais, j'ai bien envie d'améliorer le multi-G niveau 2, on verra bien. Apprendre, voilà. Niveau 5. Ça fera peut-être un peu plus de dégâts comme ça, c'est parfait. Et on va aller vers l'objectif qui n'est plus très loin de 100 mètres. Secoue-toi. Si tu savais comme le lit était confortable, eh ben tu dirais pas ça. Ouais. C'est bon. On dirait bien, beau travail. Plus efficace, c'est peut-être. On dirait que les Atiens aiment bien les bâtiments hauts, non ? Apparemment, plus un endroit. C'est pas évident de ramasser les trucs par terre, c'est quand même un peu chiant ça. Et plus c'est haut, mieux c'est. C'est au moins un truc. On a pu optimiser un petit peu le ramassage. Même si dans ce cas, il serait sûrement plus exact de dire plus il était contraire. Avant la folie des Tanta. Dans le mille ! Ils ont volé. L'attaque spéciale, elle est quand même sympathique. Et elle fait bien mal. Ça n'arrive pas inutile. Génial! Tu ne traînes pas, dis-moi. Inutile de perdre du temps. Allez, ça y est, on arrive à la tour. On arrive enfin à la tour. On a battu des petits loups, des petits monstres. Ah, oula. Ouf, j'ai failli tomber. On a failli se faire très mal. Alors, on va regarder un peu ce qu'il y a à côté de la tour avant d'y aller. Établir un camp. Si vous avez du bois. On peut établir un camp, ok. Hop, un petit coffre. Des consommables. Je vais essayer de pas tous les consommer d'un seul coup. Ha ! Allez, c'est parti. Allez, on rentre dans la tour. Bon, je crois que c'est là. Elle a sûrement connu des jours meilleurs. Ce n'est pas en restant ici que tu vas trouver ce que tu cherches. Je sais. Je sais. Ah ouais, pas mal ça. Génial. Incroyable. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans ? La guilde de Xenos. Ah, un coffre. Du soin. Ok, c'est bon, on peut passer, il faut faire le tour.
Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver là-dedans? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Génial, on cherche une aiguille dans une botte de foin. Comment je vais trouver ces foutus carnets? Il a dû les mettre bien à l'abri. Il contenait ses dernières grandes recherches, n'est-ce pas? Pièce ancienne, ok. Je me demande combien d'étages il peut y avoir. Alors, on y va, on fonce, on fonce, la on fonce. La brume n'a pas l'air d'être arrivée jusqu'ici. Tu crois que ces carnets sont ici? Nous devrions jeter un coup d'œil. Ah, là, il y a deux coffres, l'un à côté de l'autre. Chercher les carnets. Ben, je peux même pas ouvrir les coffres, génial. Hé, Krav, tu peux me lire ce qui est écrit là? Tu ne sais pas lire leur langue alors que tu les comprends quand ils parlent. Eh non, même s'il existe des similitudes entre les langues de différentes dimensions. J'imagine qu'il va falloir que je t'apprenne. Enfin, page intéressante sur de mystérieux éclats trouvés après le début de la brume. Alors, des... Page intéressante sur de mystérieux éclats trouvés après le début de la brume. Alors, des éclats de brume? Oui, si tu veux. Alors, cherchez les carnets. Ils sont où les autres carnets? Il y en a encore un. Les vernis de Tanta. L'une des formes de magie. Ah oui, on va pouvoir changer les ongles pour changer la magie. Ouais. Tiens, voilà. Ça, c'est intéressant, ça. C'est quoi? Les Tanta dessinaient des motifs sur leurs ongles, avec leur sang, pour accéder à certains pouvoirs spéciaux. Et en fonction du motif qu'elles peignaient, ces pouvoirs pouvaient être différents. Ah, incroyable. Ok, je suppose que ça peut être utile. Je ne m'y attendais pas vraiment, mais il y a un lien surprenant entre ces deux livres, tu sais. Qui est? Tes éclats de brume seraient imprégnés du sang des Tanta. Tu pourrais essayer de les utiliser pour avoir les mêmes pouvoirs. Mais bien sûr, ça m'intéresse. Alors, tuerie, c'est quoi? C'est motif prodige, ardeur et vitalité. Ils augmentent les dégâts infligés par la magie de soutien lorsque la magie d'afflux est complètement chargée. Bulle électrique. Ah ok, directement fait éclore le potentiel intérieur. Il augmente la vitesse de chargement de la magie d'attaque. Ok. Voilà. Vernis. Utilise les éclats de brume pour vernir les ongles de frais. Ok. Alors, main gauche. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la main gauche? Vernir les ongles. Bah, bien sûr. Et je bam. Ok. Et main droite, on peut mettre le deuxième du coup. Les dégâts, moins 5%. Ah mince, on fait moins de dégâts aussi. Dégâts des sorts de frais, plus 5%. Tous les dégâts... Non, ça je vais le retirer. Retirer le vernis. Je veux pas faire moins 5% en dégâts, moi je veux que ça fasse plus de dégâts, c'est tout. Faut pas se moquer de moi. Ouais, on explore... Ok, les ongles, pas c'est pas mon truc. Mais dans ce cas précis, je dois pouvoir faire une exception. On dirait que les carnets que tu cherches ne sont finalement pas là. J'ai tenté ma chance. On va faire un tour au-dessus. Allez, changement d'étage. Ça y est, on est en haut. Il fait plus clair, un dernier livre. C'est pas ça qu'on cherche vraiment non plus. C'est quoi ce truc-là? On dirait qu'il y a quelqu'un sous cette tenue. Non, sans déconner. Il faut découvrir qui c'est. Ouais. Un seul moyen de le savoir. Ok, monsieur la hache. Je vais m'approcher de vous et enlever votre masque. Vous allez être cool ou pas cool? Ok, il a l'air de pencher pour le pas cool. Alors, vous allez vous calmer dans ma prison végétale pendant que je cherche les carnets. Oden n'avait pas dit qu'il y en aurait autant. Oden. Oden. Mon Oden. Quoi? Attendez. Robian? C'est qui Robian? Je suis en train de parler à un putain de fantôme. Vous êtes vivant? Mais tout le monde vous croit mort? C'est la couleur bleue. Et puis, les boutons. Je comprends rien. Je croyais que vous aviez tout noté dans des carnets rouges.
Il rend après. On l'a pas vu, on l'a jamais vu souvent, lui. Parfois, je ne peux pas. J'essaie. Il le faut. Vous perdez la bataille contre la brume, mon vieux. Oui, mais toi, tu as l'air de l'emporter. Comment? Aucune idée. Je suis très loin de chez moi. J'essaie de rentrer. Je suis passé par un... Ouf. Oui, un whoosh. Ouais, je dois retourner de là d'où je viens par un whoosh. Whoosh. Ah, tu retourneras à l'endroit où tu dois être. Whoosh. Oui, whoosh. De la compagnie. Ici. De la compagnie. Oh. Comme c'est gentil. Je me demande qui c'était. Peu importe, soyons très prudents. Bah c'est Robiane, voyons. Allez à l'entrée, je vais redescendre. Ouh, il y a plein de trucs en bas, je sais ce que c'est. Je peux pas croire que Robiane est encore en vie. C'est dingue. La fille du peuple va avoir un sacré choc. Oula. Les soldats arrivent. Nous sommes les soldats de Tanta Silla. Vous êtes dans notre royaume. Vous allez nous accompagner. Ça, c'est pas prévu au programme. Oula. Ils n'ont pas l'air commodes. C'est bon. Je veux le savoir de Krav. Alors, faites appel au pouvoir de Krav lorsque vous prenez des conseils. Appuyez sur... Simplement lorsque vous avez un ennemi repéré avec un pour essayer de son savoir. Il commence à me saouler. Ah ok, c'est comme ça. Un des sbires de Silla, ta magie n'arrivera même pas à égratigner son bouclier. Plutôt un moyen de l'attaquer par derrière. Ok, pas de problème. Attends, c'est qui ceux-là? Des automates sans âme, entièrement dévoués à Silla. Ça doit calmer. Voilà. Bah, c'est pas des zombies? Ils font grave flipper! Ces machines ne ressentent rien. Pas même la douleur. Ah, voilà, plus de 243. Ah oui, pas mal d'XP. Allez, c'est validé ça, c'est validé. Ok. On embarque ce qu'on peut. Arrête-toi, étrangère. Oh bon, comme ça, c'est réglé. Merde, les carnets. Ok, Bob. Bob, on y va, on se bouge. Bob. Allez, Bob. Oh la vache. Oh, l'animation, elle était complètement éclatée, la vache. On va essayer d'outrepasser quand même ces informations-là, parce que sinon ça va être difficile de terminer le jeu. Ça doit vouloir dire oui. Je crois qu'on les a semés. Il est pas en forme, lui. Il est pas en forme, Pépé. Fou. Oui, trop atteint pour être utile à quiconque, rongé par la brume. Ouais, mais Bobby l'embrumé est ma seule chance de partir d'ici. Ce qui est un peu inquiétant. Franchement, je m'en contrefous de ce que tu penses. J'ai tout de même mon mot à dire. Où que tu ailles, j'irai forcément aussi. Donc, avec un peu de chance, la magie qui nous lie ici disparaîtra quand je rentrerai. Dommage, je commence à aimer notre collaboration. J'aimerais tellement dire autant. Tu as dit quelque chose? Oh, non, je pensais simplement à haute voix. Excellent. Ça m'arrive souvent. Enfin, je crois. Peut-être que non. Difficile de distinguer la voix dans ma tête de toutes les autres. Vous savez quoi? Je vous comprends complètement. Dis-moi en plus sur l'endroit d'où tu viens. C'est une cité plus grande que Sipal. Ça s'appelle New York. Oh. Ah oui, je la connais. Ah bon?
ou bien non. Ce nom se tient juste à la lisière de ma mémoire, épiant à travers le brouillard. Mais j'ai peut-être rêvé. J'ai l'impression que je devrais le connaître. Peut-être en ai-je entendu parler. Ou toi, tu m'en as parlé. Mais oui, peut-être que tu l'as évoqué. Oui. Oh, il nous sera très utile. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Oh, elle devient polie. Elle devient polie, c'est incroyable. Non loin de Cipal. Merde, ça brûle à Cipal. Oui, un incendie s'est déclaré quelque part. Venez. Alors, vous allez entamer la prochaine phase de l'aventure de Frey. Assurez-vous de vous préparer avant de poursuivre. Ok. Plaine fertile, retournez à Cipal pour la quête principale. Et bien vous savez quoi, mesdames et messieurs, je vais faire quelques quêtes secondaires, je vais avancer dans le jeu. Je referai peut-être un épisode ou deux sur le jeu en fonction de comment ça se passe dans l'aventure. Et voilà, comme ça je vous aurai montré deux épisodes du début du jeu. On n'aura pas vu beaucoup de pouvoirs, mais je vous referai peut-être quelques vidéos pour vous montrer un peu mon stade avancé de mon personnage. En tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas, à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour des nouvelles aventures complètement folles. Et peut-être pas avec Frey. Et je vous dis peut-être aussi à bientôt pour Hogwarts Legacy. Allez, sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Salut!